Apprenez le français avec des dialogues. Dialogue 35. Les qualités d'une personne. Bonjour Nathan, comment ça va? Très bien, merci. Je me demandais si tu voudrais bien nous aider. Vous aider à faire quoi? Eh bien, je pensais que nous pourrions faire une liste avec les qualités que l'on peut trouver chez une personne. Ah, c'est vrai que c'est une bonne idée. Est-ce que tu connais quelques qualités? Mais oui, je suis un grand spécialiste des qualités humaines. Et si on faisait une liste de 10 qualités? 10? Ça me semble peu, non? On pourrait en trouver 20 sans problème. Bon, on commence quand tu veux, d'accord? Parfait. Je peux même les donner dans l'ordre alphabétique. La première qualité, à l'écoute. La deuxième, abordable. La troisième, accessible. La quatrième, accueillant. La cinquième, actif. La sixième, admirable. La septième, adorable. La huitième, adroit. La neuvième, affable. La dixième, affectueux. Eh bien, je suis vraiment impressionné. Et ta liste est encore longue? Oh oui, j'en ai encore plein. La onzième, affirmatif. La douzième, agréable. La treizième, aidant. La quatorzième, aimable. La quinzième, aimant. La seizième, ambitieux. La dix-septième, amical. La dix-huitième, amusant. La dix-neuvième, appliqué. La vingtième, artistique. Alors là, je dis bravo. Merci. Mais vous savez? Oui, quoi? Ma liste est encore longue. Bon, eh bien, c'est parfait. On se donne rendez-vous plus tard et on continuera avec ta liste. D'accord? D'accord. Merci encore et à la prochaine. Ok. Salut.